Allez, on va regarder ensemble un exercice qui m'a été envoyé par une élève, donc sur le chapitre des énergies, énergie et mouvement, chapitre de première, spé physique chimie. C'est un exo intéressant, effectivement, d'un niveau de difficulté où tu vas devoir rechercher par toi-même ta piste de résolution, t'es pas guidé. En gros, tu as l'exposition ici de la situation et après une question. Donc à toi de trouver ta piste de résolution. Et en ce sens-là, c'est vrai que cet exercice nécessite de savoir se débrouiller. Donc on va regarder ensemble de quoi il retourne. Par contre, il faut que je te fasse des rappels pour commencer cet exercice avant même qu'on lise l'énoncé. Il faut que je te rappelle que l'expression du travail du poids, en fait, il faut que tu la maîtrises. C'est important. Si tu considères un axe vertical, donc des altitudes, si tu considères deux points, on va dire le point A et le point C, tu vois, le point A d'altitude ZA et le point C d'altitude ZC. Bon, il faut que tu connaisses l'expression du travail du poids, en fait, sur le trajet AC. Le travail du poids sur le trajet AC, je pense que je l'ai démontré dans ma vidéo synthèse sur le chapitre justement énergie et mouvement. Dis-moi si je l'ai démontré, je sais plus en fait si je l'ai fait, mais ma vidéo elle est sur la chaîne, de toute façon dans la playlist qui va bien. Je pense que j'ai démontré cette formule. Franchement, j'ai dû le faire dans la vidéo synthèse normalement. En tout cas, le travail du poids, c'est M fois G fois ZA moins ZC. Tu vois en fait quand tu montes en altitude, le poids, il est résistant. Son travail, il est négatif. Et dans l'expression ZA moins ZC, ZA est plus petit que ZC, t'as vu? Le point A, il est plus bas que le point C. Donc ZA moins ZC est négatif. Donc si ZA moins ZC est négatif, sachant que MG est positif, hein, masse fois intensité de pesanteur, ça c'est positif, plus par moins, ça fait bien un travail négatif. Je te le dis parce que c'est important de toujours se poser la question sur le signe des énergies quoi en fonction de si enfin le signe du travail si c'est résistant ou si c'est moteur ça dépend de comment ta force est orientée par rapport au déplacement. Donc le travail est négatif car MG est positif et ZA moins ZC dans notre situation est négatif. Voilà, ça c'est juste entre parenthèses à titre d'information pour que tu te rappelles que c'est des notions importantes à maîtriser, OK? Donc si ça c'est pas maîtrisé, tu peux pas faire un exercice comme l'exercice que tu as ici présenté. D'accord? C'est important d'abord de maîtriser tes formules de base et pour ça, tu dois pas les apprendre par cœur. C'est-à-dire que là, moi, je t'ai balancé la formule. Mais normalement, ça, il faut que tu saches le démontrer. Pas pour ton contrôle, mais juste pour le comprendre. Ouais? Tout ceci étant dit, on va démarrer sur l'exercice, on lit ensemble. Énergie d'une balle de golf. Après, on va représenter la situation. Une balle de golf de masse 45 grammes est située dans le green à une distance AB, 5 mètres du trou. Le green monte régulièrement avec une inclinaison de 5 degrés par rapport à l'horizontale. Le golfeur frappe la balle en lui communiquant une vitesse VA, donc la balle elle part du point A. La balle roule sur le green selon une trajectoire rectiligne. On admet que le travail fourni par la force qui modélise l'action des frottements. Bon, cette phrase elle est compliquée en gros, c'est on admet que le travail des frottements égale au cinquième du travail du poids. Donc en gros, on admet que le travail des forces de frottement égale 1 cinquième fois le travail du poids. C'est pour ça que je t'ai dit, pour faire cet exercice, prérequis absolument nécessaire, c'est de savoir, de connaître ta formule du travail du poids, ok, lors d'une ascension. Après, on va représenter la situation. Donc la situation, écoute, elle ressemble à ça, hein. Tu as un plan incliné, l'horizontale qui est comme ça. Ensuite, tu poses un axe, tu poses un angle alpha. Là, on va positionner notre point A, c'est le point de départ. Bon, j'ai accentué la pente, mais on s'en fout de ça, de toute façon c'est un schéma de principe. Là, il y a le point B qui correspond à la position du trou. Donc on sait que AB égale 5 mètres, je crois. AB égale 5 mètres, ouais, c'est ça. Je vais l'écrire éventuellement ici. AB égale 5 mètres. Et puis je vais introduire un point C. Soit C, le point pour lequel... Soit c'est le point pour lequel la vitesse de la balle égale 0 mètre par seconde. C'est-à-dire la balle s'arrête. La question, ça va être quoi à ton avis? Ça va être de déterminer si le point C éventuellement est avant le point B en fait. Parce que si on arrive à déterminer que la balle s'arrête avant d'atteindre le point B, la réponse à la question, comme dirait l'autre, elle est vite répondue la question. Bah ouais. Parce que si ta balle elle s'arrête avant d'atteindre le trou, bah, ça veut dire qu'elle n'atteint pas le trou. C'est QFD, ok?
Donc c'est ça en fait qu'on va faire. On va se poser la question de savoir est-ce que le point C pour lequel la vitesse est nulle est situé avant le point B, tu vois, point d'interrogation. Est-ce que le point C est avant le point B? Dans ce cas-là, on pourra conclure que la balle n'atteint pas le trou. Ok? Allez, du coup, on va appliquer en fait le théorème de l'énergie mécanique sur le trajet AC. Donc je l'écris là-dessous. Alors, je vais garder le schéma sous les yeux. Théorème de l'énergie méca sur le déplacement de A à C. Ok? Et le théorème de l'énergie mécanique, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la variation de l'énergie mécanique entre nos deux points est égale à la somme des travaux des forces non conservatives. Ici, j'ai qu'une seule force non conservative, c'est la force de frottement. Donc égale le travail de la force de frottement sur le trajet AC, du coup. Sur le trajet AC. Ok? Entre parenthèses, je précise, P est une force conservative. C'est pour ça que tu la prends pas en compte dans le théorème de l'énergie mécanique. Théorème de l'énergie mécanique, il est dans ton cours aussi. Tout ça, moi, je l'ai mis dans ma fiche synthèse. Ma fiche synthèse qui est sur mon site aussi, lien en descriptif. Tout ça, ça figure moi dans mes fiches synthèses. Les choses essentielles d'un chapitre comme ça figurent dans ma fiche synthèse parce que je sais que c'est les prérequis pour être à l'aise sur les exercices et puis être à l'aise au contrôle aussi. Donc voilà, on a le théorème de l'énergie mécanique qui est écrit ici. Après, on va aller exprimer la variation de l'énergie méca. On va aller exprimer le travail de la force de frottement. Et en fait, ce que tu cherches à déterminer, c'est la distance AC. En fait, c'est la distance AC que tu vas chercher à poser. Alors juste petite parenthèse, tu vois ici là, si tu positionnais un axe vertical comme ça, hop, je vais le mettre exactement là, là, tu aurais ZC là, l'altitude du point C, tu vois? Donc ça c'est l'altitude du point C aussi ici, c'est ZC, ok? Et ça veut dire que tu as une relation de trigonométrie que tu peux mettre en place dans ton triangle rectangle là, que je te montre. T'as une relation de trigo que tu peux mettre en place entre la longueur de l'hypoténuse, qui est en fait la longueur AC, l'altitude du point C, qui est en fait cette distance-là, là, et l'angle alpha. Tu sais, c'est quoi la relation de trigo que je peux écrire? C'est la relation du sinus. Sinus alpha égale quoi? Sinus alpha est égal à longueur du côté opposé, donc ZC, sur longueur de l'hypoténuse, donc AC. ZC sur AC. Ça veut dire que ZC, si je l'isole, à un moment donné, je serai en mesure de le remplacer par AC fois sinus alpha. Si jamais à un moment donné j'ai envie, je pourrais remplacer ZC par cette expression. Sachant que ensuite dans cette expression, j'ai AC qui apparaît. Donc tu vois, je pourrais aller chercher à isoler AC. Mais on va voir si ça va me servir. On va voir si j'ai ZC qui apparaît dans le delta EM. Allez, let's go. Donc delta EM entre A et C, c'est l'énergie mécanique en C moins l'énergie mécanique en A. Et le travail du poids, on l'a écrit là-haut, le travail de la force de frottement, pardon, c'est 1 cinquième du travail du poids sur le trajet AC, hein. On raisonne sur le trajet AC. 1 cinquième du travail du poids. Donc j'écris 1 cinquième fois travail sur le trajet AC, travail du poids. Alors le travail du poids, on l'avait écrit là juste derrière, c'est M fois G fois ZA moins ZC. Alors tu vois, j'ai positionné un petit repère ici. L'axe vertical, pardon, je l'ai directement positionné sur le point A pour que ça coïncide et que tu vois que j'ai choisi le point A comme origine pour les altitudes. Donc ZA égale 0. Ça veut dire que là, ZA, je vais pouvoir le dégager, tu vois. ZA, là, il va se barrer, en fait. ZA, ça part. ZA, c'est nul. D'accord? Donc je simplifie les expressions au fur et à mesure. Ensuite, ici, l'énergie mécanique en C. L'énergie mécanique en C, c'est l'énergie cinétique en C, plus l'énergie potentielle de pesanteur en C, moins. Et l'énergie mécanique en A, bah, c'est ECA plus EPPA. Donc, comme ZA vaut 0, EPPA vaut 0. Je te rappelle aussi, ça c'est les éléments de base. L'énergie potentielle de pesanteur en A, c'est M fois G fois ZA.
Mais si tu annules ZA, ça annule EPPA. On est d'accord, donc EPPA, si ça t'embête pas, je dégage tout de suite. Alors par ailleurs, la vitesse au point C, tout à l'heure j'ai défini le point C. Je sais plus, je l'avais dit là ou pas? Non, je l'avais pas dit là. Tout à l'heure j'ai défini le point C comme étant le point pour lequel... Ah bah si, je l'avais mis là. Le point C, c'est le point pour lequel la vitesse VC égale 0. Donc si V en C égale 0, de la même façon, l'énergie cinétique en C, elle vaut 0 joules. Parce que énergie cinétique, 1 demi MV carré. Donc si V vaut 0, l'énergie cinétique vaut 0. Tu comprends bien ça. Donc l'énergie cinétique en C, pareil, je la dégage tout de suite. Je simplifie tout de suite mon écriture. Maintenant, je vais travailler avec ce qui reste. EPPC, c'est MGZC. Donc là, j'ai ZC qui apparaît. N'oublie pas aussi, garde en tête, s'il te plaît, que ZC est connecté à la longueur AC. Il y a beaucoup de C dans ce que je dis, mais c'est important. Et AC, si j'arrive à déterminer AC, je pourrais savoir à quel endroit la balle s'arrête. Donc je pourrais savoir si elle atteint le trou ou pas, on l'a dit en début de vidéo. Donc connaître ZC, c'est un petit peu connaître AC, c'est un petit peu répondre à l'exercice. Ok? Donc EPPC, je le remplace par MGZC, et puis moins ECA. Bon, je vais mettre une étape intermédiaire. 1 cinquième fois MG fois moins ZC, ça me fait moins 1 cinquième MG ZC. D'accord? 1 demi, enfin ECA, je vais pouvoir le remplacer par 1 demi M VA au carré. Donc il y a du calcul littéral ici. Petite parenthèse, tu vois, dans un exo comme ça, il y a du calcul littéral. J'y pense là, à te dire ce que je veux dire, parce que je fais cette vidéo quelques jours après le sujet ou l'épreuve de physique-chimie en métropole. Enfin, et puis au bac, en fait, pas qu'en métropole d'ailleurs. Mais voilà, l'épreuve de physique-chimie vient d'avoir lieu, bac 2022. Et l'une des particularités d'un des sujets qui est tombé cette année en métropole, c'est que c'est un sujet matheux. Donc pour tous ceux qui regardent cette vidéo, qui sont en première et qui comptent garder physique-chimie en terminale, il faut savoir que c'est important de savoir faire des maths dans tes sujets de physique-chimie. Ce qu'on fait tout de suite, par exemple, manipulation d'écriture. Et ça me fait penser que dans le sujet de métropole, il y avait des histoires d'énergie mécanique, d'ailleurs, soit dit en passant. Voilà, donc en fait, savoir faire des maths, c'est absolument nécessaire de se projeter là-dedans, tu vois. Et quand on est en première, on n'y pense pas forcément pour la physique-chimie parce que les maths sont pas aussi présentes qu'en terminale. Sauf qu'en terminale, les maths deviennent très présentes, et tu connais peut-être des terminales S qui pourront te le dire. Des terminales S, des terminales qu'on fait physique-chimie, pardon, et qui pourront te le dire. Que les maths en physique-chimie, il y en a. T'en manges, t'en bouffes, et du coup, faut être à l'aise. Et ça peut vraiment te bloquer, et sur le sujet qui vient de sortir là en métropole, le sujet du jour 1, je te garantis que les maths, ça en a bloqué plus d'un, et ça, c'est relou, quoi. Donc voilà, les maths, il faut s'exercer là-dessus, faut pas passer à côté. En physique-chimie, c'est primordial. Bon. Tout ça pour te dire, je ferme ma parenthèse, tout ça pour te dire que je suis en train de manipuler en fait de l'expression littérale et c'est ça qu'il faut que tu saches faire. Et à partir de là, je perds pas de vue aussi ce que je cherche. Et ce que je cherche, quelque part, c'est ZC, tu te souviens? J'avais dit depuis tout à l'heure, si je connais ZC, derrière je peux trouver AC, derrière je peux répondre à la question. Donc je vais chercher à isoler ZC. Mais là je vois que j'ai du M qui se trimballe de partout dans l'égalité. Tu vois, dans tous les termes, j'ai un fois M qui apparaît, le même facteur. Donc je vais diviser tout le monde par M. Voilà. Donc le M il dégage. Il me reste G fois ZC moins VA carré sur 2 égale GZC fois moins 1 cinquième. Donc moins 1 cinquième GZC. Ok? Bon, ça va me faire GZC plus 1 cinquième de GZC. Là, excuse-moi, je zappe une étape parce que je ne peux pas écrire toutes les étapes, sinon c'est relou, c'est beaucoup trop long. Voilà. Donc mon égalité là. Voilà comment je la transforme. J'ai regroupé en gros les ZC et le VA carré sur 2, je le mets tout seul. Là, tu vas pouvoir encore regrouper parce que GZC, c'est comme 5 cinquièmes de GZC. Et à quoi ça me sert de faire apparaître 5 cinquièmes? Bah, ça me sert à pouvoir regrouper ces deux termes. 5 cinquièmes plus 1 cinquième, ça fait 6 cinquièmes. Et 6 cinquièmes de quoi? Bah, 6 cinquièmes de GZC. Tout ça, c'est des maths. Égal V carré sur 2. Je vais aller sortir ZC là. ZC égale 5 VA au carré. 5 VA au carré
sur, et là je dois diviser, donc je dois à la fois multiplier par 5. Bon, attends, ça je vais te mettre l'étape parce que je sais que souvent je les montre dans les vidéos. Donc on va faire l'étape là. Comment je fais pour isoler ZC ici? Il y en a qui se posent cette question, donc c'est pas un problème, il n'y a pas de question bête, on va répondre à cette question. Des deux côtés, je multiplie par 5 sixièmes. Tu sais pourquoi? Parce que de multiplier par 5 sixièmes à gauche, ça me dégage le 6 cinquièmes qui m'emmerde. D'accord? Par contre, ça me fait apparaître un 5 sixièmes à droite, c'est normal. Ensuite, je vais diviser par G. Pourquoi? Bah parce que ce G là, j'en veux pas à gauche. Donc je divise par G. Voilà, je divise par G à gauche, mais du coup, tu divises aussi par G à droite. Ok? Donc l'avantage là, c'est que G, il dégage. À gauche, il te reste ZC. Voilà. Et à droite, bah, tu as l'expression qui contient tout ce qu'on a dégagé à droite. 5 V à carré sur 6 fois 2, du coup 12, 12G. 5 V à carré sur 12G. Alors je pourrais faire un calcul intermédiaire et continuer après, mais en fait je vais faire mieux que ça. Je vais remplacer ZC par... Tu te souviens de ce qu'on avait dit tout à l'heure? ZC, re-regarde plutôt dans la vidéo, on va le remplacer par AC fois sinus alpha. Ok? On le remplace. ZC, je le remplace par AC, donc tout ça. AC fois sinus alpha égale, hop, je copie, boum, mince, foiré. Copie, pff, complètement foiré. Hop, voilà. Ok, donc maintenant je vais isoler AC. Qu'est-ce que je fais pour isoler AC? Si tu as compris ce que je t'expliquais juste avant, je divise par sinus alpha à gauche et je divise aussi par sinus alpha à droite. Voilà, donc il apparaît au dénominateur. Comme ça à gauche, ça dégage. Et à droite, il me reste AC égale 5 fois VA carré sur 12 fois G fois sinus alpha. Voilà, et tu as tout ce qu'il faut pour faire l'application numérique, puisque dans l'énoncé, on te donne VA, 3 mètres par seconde. Donc 3 mètres par seconde. On te donne alpha. Alpha, je crois que c'est 5 degrés. Ouais. Et puis G, c'est 9,81. G, tu connais déjà. Calculatrice, oublie pas de mettre ta calculatrice en degrés. Si tu mets en radian, bah tu te fais bananer. Et puis après, on va calculer AC. Donc si on trouve plus que la longueur AB, ça voudra dire que la balle, elle atteint au moins le trou. Et puis si on trouve moins, ça veut dire que la balle n'atteint pas le trou. C'est d'une logique imparable. Allez, hop. Divisé par 12 fois 9,81 fois... Du coup, sinus 5. Ok, et eh bien ça fait, on va mettre deux chiffres significatifs, ça fait 4,4 environ. AC environ égal, le résultat est en mètres, hein, parce que tous les éléments, tous les paramètres sont dans les unités du système international. Donc AC est environ égal à 4,4 mètres. 4,4 mètres, c'est inférieur à la longueur entre A et B. B, c'est la position du trou, je te rappelle, qui est de 5 mètres. D'accord? Donc là, je vais écrire inférieur à 5 mètres. La balle n'atteint pas le trou. Voilà, j'espère que cette correction t'a plu. Si c'est le cas, c'est très bien. Partage, diffuse autour de toi. Abonne-toi à cette chaîne si t'es toujours pas abonné, je compte sur toi, vraiment. Je pense que si t'es en première et que tu t'apprêtes à garder physique chimie en terminale, tu vas kiffer de bosser avec toutes les vidéos qui sont présentes de niveau terminale. Franchement, il y a plein d'élèves qui ont déjà progressé avec et qui ont bossé toute leur année de terminale avec mes vidéos de physique chimie, donc n'hésite pas à le faire, c'est super important. Et quand tu vas être réellement en terminale, il va y avoir des vidéos qui vont continuer à sortir, donc voilà. Si t'es abonné, au moins t'as les notifs au fur et à mesure, c'est cool. Donc c'est tout pour cet exercice, j'espère que ça t'a plu encore une fois. Je répète aussi encore une fois qu'il y a beaucoup de maths dans l'exercice, c'est pour ça aussi que j'ai décidé de le traiter, parce que c'est typiquement le genre d'exercice qui te montre dans quoi tu dois te projeter pour la physique chimie terminale. Voilà, faut abandonner un petit peu le monde des bisounours et maintenant faut se mettre en mode on va y arriver, mais pour ça il va falloir charbonner parce que sinon ça va être douloureux. D'accord? Faut vraiment pas attendre la dernière minute parce que tous ceux qui font ça et qui commencent la terminale et qui démarrent en terminale à bosser à la Toussaint, etc., c'est un échec après, c'est du Parcoursup qui est foiré, c'est des notes qui vont pas, bref. Faut s'y mettre maintenant, ok? Allez, sur ce, travaille bien, motive-toi bien et je te dis à très bientôt, ciao!